Bonsoir, bienvenue à ce tour d'horizon des meilleurs moments des 7e Jeux de la Francophonie. Nice, la capitale azuréenne, a accueilli du 7 au 15 septembre 2013 et cet événement très couru de la jeunesse francophone. Il y avait du beau monde à la place Masséna et c'est le président français François Hollande qui a procédé à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux en compagnie de plusieurs de ses homologues. Je déclare ici ouverts les Jeux de la Francophonie, les 7e Jeux de la Francophonie. Vive la langue française! De cette famille, si tu parles en français. Ce ne sont pas les liens du sang qui nous réunissent, mais cette langue commune qui nous rend si complices. Elle enjambe les mers et rapproche les êtres. Elle fait de nous des frères et se fout du paraître. On aime la France et le Cameroun. Posait la question, on se disait, tiens, parce qu'on entend tous ces pays, l'Égypte, la Roumanie, le Vietnam, etc. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on parlait français là-bas. Donc c'est vrai que c'est des pays que j'ai visités et j'étais assez surprise parce que, effectivement, il y a pas mal de gens qui parlent français. Le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer ancienne d'été. C'est des événements comme ceux-là qui nous permettent de se retrouver tous ensemble parce que c'est pas tous les jours qu'on a cette chance-là d'avoir des gens de tous les continents qui se retrouvent autour d'une chose commune qui est le fait de parler la langue francophone, donc la langue française. Près des étangs, ces grands roseaux. Ces oiseaux blancs et ces maisons brouillées, la mer les a versés le long. Il y a, de toute évidence, un lien de solidarité, de compassion entre nous et le monde vivant qui nous entoure. On va mettre l'Océanien dans une petite boîte. C'est un petit peu de chez nous qu'on a envie de partager. Merci.
est fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et je n'ai aucune dette. Apprendre, comprendre, on se prend, mais c'est mal. Mal. Les danseurs traditionnels niçois à côté du gars qui joue au djembé sénégalais, qui sont au même Catherine, comme ça, voilà, c'est beau de mettre en exergue ce qui nous unit, la langue française. Différentes cultures, différentes mœurs, différentes religions, mais une langue qui est le ciment de tout ça, et c'est merveilleux. Et puis un jour, j'ai rencontré un vieux chêne qui m'a raconté son histoire de très loin. Depuis ce jour, les cèdres enfin parlent français. Et plus rien n'est pareil. Les Jeux de la Francophonie, les seuls au monde qui allient culture et sport autour de la jeunesse et autour du triptyque majeur diversité, solidarité et excellence. Au total, 7 compétitions sportives et autant de compétitions culturelles ont été âprement disputées par les 3000 participants issus des 56 pays sur les 77 que compte la Francophonie et des nouveautés comme le concours de création écologique et de création numérique. Nous y reviendrons. C'est parti pour la toute première compétition de ces Jeux. Le premier spectacle offert au public niçois a été le cyclisme sur route. Mais je crois qu'il y a les deux disciplines dans le monde qui sont les plus populaires, c'est le football et le cyclisme. Malheureusement, nous savons que pour un certain nombre de pays, le vélo est d'un coup qui n'est pas accessible pour beaucoup de sportifs. Et donc, ça n'était pas évident de les faire entrer dans la francophonie. Grâce à l'accord du président Abdou Diouf, nous avons pu faire entrer ce sport populaire ici en apportant notre soutien et notre solidarité à ceux qui n'en avaient pas forcément les moyens. Et que ce soit à Nice, ville de cyclisme, le Paris-Nice, le 100e Tour de France cycliste, que nous ayons pu faire rentrer le vélo dans la francophonie, c'est forcément pour moi un grand bonheur. Je suis toutes les grandes épreuves cyclistes, Tour de France, les différents tours, et en particulier Paris-Nice. Donc une première raison pour moi d'être heureux d'être ici à vos côtés, monsieur le maire, pour donner ce départ, et une dans les priorités de ma vie, de mon action politique, comme président de la République, comme secrétaire général de la francophonie, à la promotion de la femme. Alors vous voyez, le cyclisme et la femme, c'était parfait. À tout seigneur, tout honneur, c'est le maire de Nice, Christian Esrosi, qui a proposé et obtenu l'introduction du vélo dans les compétitions sportives, qui a donné le coup d'envoi de ces Jeux en compagnie du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf. Le matin, les dames ont couru sous une pluie battante. Les Libanaises ont bel et bien tenté de s'accrocher au peloton, mais le parcours accidenté les a mises à la peine. Et après une centaine de kilomètres de difficultés, ce sont les Françaises qui ont fini par se détacher. On voit ici la première place revenir à Christelle Ferrier-Bruno. Le scénario fut à peu près identique dans la course des messieurs, mais sous le soleil. Dans cette course, les Français ont fait mieux encore que les Françaises, puisqu'ils se sont emparés des 3 médailles disponibles dans cette épreuve. On voit ici Pierre-Roger Latour effectuer le gros du travail.
et faussait compagnie en définitive à ses deux compatriotes pour triompher sur la ligne d'arrivée le long de la promenade des Anglais. L'une des grandes attractions de ces 7e Jeux de la Francophonie, la culture, et particulièrement la chanson, l'élite francophone dans le domaine est haïtienne, avec Jean-Jean Roosevelt et son groupe, médaillé d'or de ces Jeux. Et c'est le mythique opéra de Nice, vieux de plus de 100 ans, qui a été le cadre de consécration de cette élite francophone privilégiée. Jean-Jean Roosevelt, médaillé d'or, la très vivante Saélis, la libanaise, et médaillé d'argent, et le groupe du Rwanda remporte le bronze. Merci, 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 merci le public, merci. Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a un seul plan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Ago, 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 ago. Nous sommes du Dahomey. Ago, yeah, yeah. Nous sommes de Nice. Yeah. Ago, yeah. Nous sommes de la francophonie. Yeah. Donc là, vous avez la coucour d'anisarde. Voilà. Et la coucour d'anisarde, c'est la courgette qui est la plus répandue dans notre région. Ici, vous faites beaucoup de plats à travers ça. Chez nous, les courgettes sont vraiment des grandes tailles. Grandes tailles, il y en a comme ça, mais des grandes tailles. Un peu plus grandes que ce qui est là. Oui, on fait les sauces avec, les sauces légumes. Ou bien, par exemple, on a un plat africain bien répandu, le tchèp. Chez nous, le marché, il y a tout le monde. C'est-à-dire, on trouve le marché des légumes, des poissons, de viande, de... C'est pas spécifique. C'est-à-dire, tout le monde est sur le même espace. Vous trouvez du poisson, de la viande, des légumes, tout sur le même espace. Oh, ici, il y a le marché des légumes, à part le marché des poissons, ainsi de suite. C'est ce qui diffère un peu. Les compétitions culturelles, c'était aussi dans le vieux Nice, à la place Garibaldi. Une fois n'est pas coutume, l'attraction n'est pas la statue de Giuseppe Garibaldi, homme politique du 19e siècle, mais bien les marionnettes géantes, inscrites parmi les 7 disciplines du concours culturel dans la catégorie des arts de la rue. Spectacle assuré et garanti à 100%. Concours de marionnettes géantes qui a connu 6 finalistes et un podium composé de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Cameroun. C'est la joie! Rabu a pu réparer sa faute. Le camion a été retrouvé, mordu, sans être blessé. Le tennis de table est un sport d'orflex ultra rapide et ce sont globalement les Roumains et les Français qui se sont taillés la part du lion, que ce soit en compétition masculine ou féminine.
en simple ou en double. En basket, on a vu la fédération de Wallonie-Bruxelles se qualifier de haute lutte pour la finale grâce notamment à l'omniprésence de sa meilleure marqueuse, Natacha Dopé, avec l'appoint d'Axel Bernard. Lors de la finale, elles vont affronter la sélection ivoirienne. L'équipe de Belgique donc qui prend conseil auprès de son entraîneur. Tandis que les Roumaines, elles, finissent par s'avouer vaincues face à la plus grande maturité de leurs adversaires, à droite en particulier dans les tirs à distance. Et doté d'une meilleure technique collective aussi. Depuis 1987, les Jeux de la Francophonie sont un tremplin pour les jeunes artistes francophones. Rencontre avec Idil Mamba du Cameroun. Bonjour, je suis Idil Mamba, chanteuse centrafricaine. Et je suis aux Jeux pour représenter mon pays, la République centrafricaine. J'ai besoin de me faire entendre, comprendre par le monde. Et le français est une langue internationale. Donc voilà, c'est beaucoup pour moi. Je chante beaucoup pour la gente féminine, pour l'excision par exemple des jeunes filles. Et je défends aussi le droit de la femme battue. J'ai un titre qui s'appelle ainsi. Et je défends des valeurs qui sont les miennes et aussi les valeurs des autres. Je suis la voix des sans-voix, on va dire ça comme ça. En lutte, on voit ici Slovaques et Roumaines aux prises, ce qui traduit d'ailleurs l'hégémonie des pays d'Europe de l'Est dans cette discipline. Ici un tombé favorable à la Roumaine. Avantage ici à la concurrente française face à une représentante du Canada Nouveau-Brunswick. Chez les messieurs, ce sont les Arméniens qui se distinguent le plus. Technique, combativité et réussite à la clé. Et les dames, on voit ici une Sénégalaise aux prises avec une Tchadienne. Avantage à la Sénégalaise. Et ce sont globalement les Arméniens qui sortent triomphateurs des compétitions de lutte. Les arts visuels étaient aussi de la partie lors de ces Jeux. Le palais des expositions de l'Acropolis, qui s'étend sur 17 000 mètres carrés, a abrité plusieurs expositions et ateliers de peinture, sculpture et de photographie, entre autres, et un moment privilégié de rencontre de jeunes talents de 18 à 35 ans. Je suis très heureuse d'être à Nice, de représenter mon pays et de l'accueil qu'on a ici, de l'ouverture et des connaissances qu'on puisse s'enrichir énormément notre,
notre chemin à venir et qui est important à prendre à ce moment. Après une semaine de concours, les jurys ont dû, et oui, se décider à donner des médailles. C'était très serré. Pour la photo, l'or est revenu à Élise Larvego de la Suisse. Pour la peinture, c'est Jude Ali des Seychelles qui est le plus fort. Le meilleur en sculpture est Pascal Hachem du Liban. Et je vous parlais tout à l'heure de deux concours qui ont été introduits lors de ces 7e Jeux. Il s'agit du concours de création écologique et de création numérique. Et à l'issue de la compétition, le Liban a remporté haut la main le concours de création numérique, tandis que la Côte d'Ivoire a gagné le concours de création écologique. Le VJing. Qui est à peu près l'épreuve, ou en tout cas le format de cette épreuve. C'est a priori de la vidéo et du son synchronisé, joué en direct. Quoi. Notre idée, c'est proposer un spectacle complet avec de la vidéo projetée, du son qui est joué en direct, mais tout ça scénographié et avec une trame narrative et illustrative qui traite la problématique qu'on a choisie, qui est les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. En football, la Côte d'Ivoire, qui possède une fière tradition, est allée jusqu'au stade des demi-finales où elle a trébuché devant le Maroc, et ce, à l'exercice des tirs au but. Mais on la voit ici bien négocier les premières phases de la compétition. Grâce en particulier à un gardien de but vigilant. Une équipe de Côte d'Ivoire inspirée. Mais maladroite dans les tirs. Le Burkina Faso, pendant ce temps, affrontait un adversaire redoutable, le Maroc. Ce qui mettait immédiatement le gardien du Burkinabé à contribution. Match très engagé. Les Burkinabés font ce qu'ils peuvent, mais butent face à une équipe marocaine mieux organisée et plus technique aussi, qui réussit un but d'anthologie et gagne 2-0. Genre majeur de la littérature, le conte a confirmé tout le bien que l'on pensait de lui à ces Jeux. Les bons contes font les bons amis. Le Canadien Stéphane Guertin a étalé toute sa classe devant le public du Théâtre National de Nice. Il remporte la médaille d'or. Un jour, arriva à la cour un bel adolescent. Eh oui, comme toi. Dont la prestance révélait la joie de vivre. Le lendemain matin, comme Koufiti s'est aperçu que son argent avait disparu, il s'est mis à pleurer, à pleurer. Et tout le monde avait entendu ses pleurs. Yann est accouru. Et même le chef du village qui avait entendu les pleurs, lui aussi, il est arrivé. Il a posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Joseph s'en va voir, craintif. Et c'est à ce moment-là qu'il voit qu'à côté de la corde de bois, il y a les mêmes deux grands yeux rouges. Joseph panique, court vers la maison, rentre dans la porte. Bon, saigne du nez, ouvre la porte, rentre dans la maison. La porte claque, se réouvre, Joseph va refermer la porte, se cogne l'orteil, saute sur une jambe, va voir Philomène, lui explique ce qu'il a vu, et Philomène lui dit « Arrête de boire, puis va te coucher. » Thank you.
Dans la catégorie des arts de la rue, il fallait aussi compter avec le hip-hop, symbole de la jeunesse urbaine. Ce genre a eu bien toute la place qu'il méritait et la République démocratique du Congo a remporté la compétition suivie de la France. Cette battle qu'on traduit en français, c'est des joutes, c'est vraiment un combat des titans. On fait le combat, avant le combat on se salue, après le combat on s'embrasse encore très fort. C'est ainsi que pour nous, tous ces groupes méritent ce qu'on dit mention spéciale. Tout simplement parce qu'ils ont démontré aujourd'hui à la face du monde, le monde entier va voir que ben voilà, la jeunesse issue des pays francophones, regarde, ils s'amusent de partout dans le monde. Je crois que c'est un très très bon message et nous sommes très 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 heureux d'avoir commencé l'histoire. On a aussi dansé lors de ces jeux et de quelle manière? Nice, pays de la soca, a vibré au rythme de la danse de création dont le bouquet final a révélé le Cameroun pour la médaille d'or, le Canada et le Burkina Faso respectivement pour l'argent et le bronze. Discipline reine des Jeux, l'athlétisme a drainé un nombre public au stade Charles Herman. Au 100 mètres dames, on voit ici la Française Ayodele Ikwesan marquer son territoire. Son compatriote Emmanuel Biron limite chez les messieurs. Maintenant 800 mètres où on voit le Qatari Bala Moussab triompher d'une opposition pourtant de qualité mais avec une grande aisance. Au lancer du marteau, la supériorité polonaise ne faisait pas l'ombre d'un doute. Concours très relevé également au lancer du poids. On voit ici le Congolais Frank Elemba. Il a raté de peu le podium.
mais à améliorer son corps personnel. Voici ici la finale du 100 mètres dames avec une démonstration de Ayodele Ikwesan. Médaille d'or pour la Française. Il y a un peu de traditionnel parce qu'on a voulu faire de la jonglerie à l'afro-européenne. Parce qu'on sait que les Européens sont forts en jonglerie. Donc il faut mettre un peu de la sauce africaine pour que ça puisse donner plus de goût encore. Du spectacle aussi assuré à 100% lors de ces jeux avec la jonglerie. Le concours de jonglerie qui a révélé des talents et de l'adresse avec le groupe français qui a remporté haut la main cette compétition devant le Maroc. Ok. Ok, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Des villes qui ressemblent beaucoup à Nice, de simple fait que c'est aussi la Méditerranée, que c'est aussi une mer. Mais ce qui est exceptionnel quand même, et c'est toute la délégation qui l'a fait remarquer, que la couleur de la mer, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de jamais vu. Il compare vraiment avec quelque chose qui est très, très spécifique pour la Côte d'Azur, une couleur d'azur, quoi. En ce moment, on peut dire que c'est vraiment un pays qui est très intéressant. Même, il y a beaucoup de touristes françaises et francophones, notamment. Nous, au Monténégro, c'est vraiment un pays qui est très accueillant. Toujours pas cher par rapport aux autres destinations touristiques sur la côte méditerranée. Donc, du coup, oui, il y a de la montagne, un peu comme chez vous. On a de la montagne qui est pas loin de la mer, une centaine de kilomètres. Vous êtes en montagne, vous faites du ski, après vous descendez, vous avez la plage, la mer, le soleil, le sable. Voilà, c'est vraiment très intéressant à découvrir aussi. Le palais du Nikaya accueille quant à lui le tournoi de judo, ce qui a mis en évidence un grand éventail de pays qui possèdent des athlètes de qualité. Ici, la Wallonie-Bruxelles, aux prises avec la Roumanie. Un Canadien face à un Français. Le concurrent canadien met son adversaire en difficulté, mais celui-ci réplique brillamment. Des combats engagés avec donc des ippons spectaculaires
que ce soit sur des prises, comme on vient de le voir, ou bien encore, comme on va le voir ici, sur des immobilisations. La Roumaine subit et s'incline. Certains combats ont été plus expéditifs encore. Le plus court d'entre eux n'a duré que 13 secondes. Celui-ci est expédié en à peine plus d'une demi-minute. Le concours de lecture de nouvelles a eu comme cadre la bibliothèque Louis Nuceras du 8 au 11 septembre. Et au bout du concours, eh bien, trois équipes se sont détachées. Tout d'abord, le Canada qui obtient l'or avec Guillaume Corbel, suivi de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec Edgar Cosma alias de Benoît Dupont. Et enfin, la Côte d'Ivoire qui ferme la marche pour ce podium littéraire avec Cabo, Fonung et San Rosine. Un anneau en or rose. C'est non pas sur un tatami, mais sur un tapis de sable que se dispute la lutte africaine. Sport dans lequel le Tchad, le Sénégal, le Cameroun et le Niger sont les puissances dominantes. Victoire. Et on a tort de sous-estimer la puissance des lutteuses camerounaises. Le Sénégal, lui aussi, bénéficie d'une solide tradition. Et les conseils des entraîneurs ne suffisent pas toujours. Retour à athlétisme avec ici la Sénégalaise Nima Faye dans ses œuvres sur 100 mètres haies. Jolie victoire de la championne d'Afrique. Aux 400 mètres messieurs, les Français partent peut-être un peu trop vite, ne gèrent pas merveilleusement leur effort, toujours est-il que c'est à la Wallonie-Bruxelles que revient le titre. Toujours est-il que Antoine Gillet, meilleur finisseur, termine premier devant le Français Toumani Koulibaly, qui pourtant produit un excellent effort ici, à 150 mètres de la ligne, et paraît encore en lice pour la victoire finale. Un peu trop tard tout de même. C'est dans la dernière ligne droite que Antoine Gillet forge définitivement sa victoire face au représentant français. Très belle répartition de l'effort
pour le représentant de la Wallonie-Bruxelles qui prend la médaille d'or. Au 3000 mètres steeple, c'est la Roumaine Ancuta Bobocel qui a fait la course en tête, pratiquement dès le début de la compétition, et s'est installée au poste de commande, suivie par un peloton qui s'est progressivement étiré. Était-ce présumé de ses forces? On a pu le penser un petit moment, car alors que dans le dernier tour, Bobocel paraissait mise en difficulté, ce sont les concurrentes marocaines qui sont venues la menacer. Ici, la Roumaine est en deuxième position. C'est après l'ultime franchissement de la rivière que la Roumaine Bobocel a réussi à renverser la vapeur et à s'emparer d'une médaille d'or qui paraissait promise à sa rivale marocaine. Mais quelle belle fin de course pour Bobocel, une ligne droite d'anthologie qui lui offre la médaille d'or. On revoit ici Bobocel qui lève les bras au ciel en signe de triomphe et le mérite. Tout aussi disputé, le 400 mètres en fauteuil roulant. Course d'une grande intensité, indécise jusqu'au bout là aussi. C'est en définitive dans les ultimes mètres que le français Julien Cassoli, favori, l'emporte, mais ce par la plus étroite des marges. La finale du basket entre la Wallonie-Bruxelles et la Côte d'Ivoire nous a valu un match longtemps équilibré. Axel Bernard et Natacha Dopé se montraient adroites à distance. Le panier à trois points permettait aux concurrentes de la Wallonie-Bruxelles de garder le contact et même de prendre l'avantage. Les Ivoiriennes répliquées par Kani Koyaté, leur capitaine en particulier, et la toute jeune Kariata Diaby se montrait particulièrement efficace sous les panneaux. Et ce sous l'œil attentif du coach Clément. Les joueuses belles restaient à droite à distance, mais sous les paniers, elles ne faisaient pas la loi. C'est en définitive dans le quatrième quart-temps que les Ivoiriennes se sont détachées. À leur tour, les Belges se montrent maladroites. Nous sommes ici encore en début de rencontre, à un moment où elles restent efficaces dans les tirs, où elles réussissent en tout cas à faire jeu avec leurs adversaires. Mais en fin de match, tout bascule. Coach Clément parvient à galvaniser ses troupes. Les Ivoiriennes vont renverser la vapeur. Et pourtant, les Belges font encore illusion. Les Ivoiriennes, peu à peu, prennent l'initiative. Elles sont plus fraîches physiquement. Elles sont impériales sous les panneaux. Et elles aussi savent trouver la distance. C'est en définitive sur le score de 87 à 70 que la Côte d'Ivoire l'emporte. Une victoire de haute lutte, largement méritée pour les représentantes africaines. Et à la sirène signalant la fin de la rencontre, leur joie éclatait. Un dernier panier, et c'en était fini. Médaille d'or donc, amplement méritée pour la Côte d'Ivoire. Dernier temps fort des Jeux de la Francophonie, la finale du tournoi de football entre le Maroc et le Congo. Le Congo, vainqueur il y a 4 ans au Liban. On assistait à un match dans lequel les Lions d'Atlas ont ouvert les hostilités.
Une demi-heure environ après les hymnes nationaux, c'est Omar Atiallah qui, d'un tir puissant et précis dans un angle pourtant fermé, ouvre le score en faveur du Maroc. 1-0, les Lions d'Atlas méritent cet avantage au tableau d'affichage. Et les Marocains semblent avoir le match bien en main. Leurs supporters d'ailleurs ne s'y trompent pas. Et pourtant, en deuxième mi-temps, sur un corner, le portier du Maroc se déchire et Obassi, opportuniste, arrache une égalisation inespérée. Et puis le match bascule à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Long dégagement des Cocos, prolongé de la tête vers Obassi qui fusille Benachour. 2-1 pour le Congo qui gagne le tournoi de football pour la deuxième fois consécutive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous retrouver ici dans cette magnifique salle de l'Acropolis de Nice à l'occasion donc de cette cérémonie de gala des lauréats des 7e Jeux de la Francophonie dans cette formidable ambiance qui a marqué donc cet événement à la fois culturel et sportif. Après la cérémonie d'ouverture, le gala des lauréats a été un intense moment de communion pour la crème de la jeunesse francophone. La soirée est dédiée aux médaillés de ces 7e Jeux de la Francophonie. Au bout de 8 jours de compétition, 8 jours de fête, les jeunes de 56 pays de la Francophonie se sont retrouvés au parc des sports Charles Hermann pour se dire au revoir. Avec en attraction au début de la cérémonie, bien sûr, le défilé des délégations. Bonne route jusqu'à Abidjan, bonne route à toutes et à tous, et vive la francophonie. Après Nice 2013, c'est Abidjan qui accueille en 2017 les Jeux de la Francophonie, 8e édition du genre, cérémonie protocolaire officialisant le prochain événement. Acte 1, remise de la bannière de la francophonie à la délégation ivoirienne par la ministre française déléguée à la francophonie, Yamina Benguigui. Acte 2, remise de l'aigle de la ville de Nice au gouverneur d'Abidjan par le maire Christian Estrosi. Je déclare close cette 7e édition des Jeux de la Francophonie et vous souhaite, au nom du président de la République française, François Hollande, un bon retour à la maison et dans vos familles. Vive les Jeux de la Francophonie, vive la jeunesse francophone. Merci. La Côte d'Ivoire voudrait ici souhaiter aux uns et aux autres une bonne arrivée à Abidjan pour les Jeux de la Francophonie en 2017. Merci pour la confiance. Vive la francophonie. Thank you.
Rendez-vous est donc pris pour Abidjan en 2017. La Côte d'Ivoire qui annonce déjà l'ambiance de ses prochains Jeux avec la star ivoirienne Debé Niaoré qui a assuré une partie du spectacle lors de cette cérémonie de clôture. Au revoir. Côte d'Ivoire.